Bonjour, Bérangère Laurin, j'ai 38 ans, je suis infirmière puéricultrice coordinatrice, je suis maman de 3 enfants et j'habite à Rouen. C'est un métier, je crois que dès lycée, je savais que ce que je voulais faire, c'était puéricultrice. J'ai fait infirmière pour faire puéricultrice. Je voulais absolument travailler avec les enfants, leurs parents. C'est un métier qui est très... On peut faire plein de choses, enfin, c'est très diversifié. On peut être directrice de crèche, on peut être travailler en PMI, travailler en chirurgie, en médecine. Enfin, c'est très varié, très enrichissant. J'ai été diplômée infirmière en avril 2006. J'ai commencé ma carrière au service des nourrissons et médecine pédiatrique du CHU de Rouen. En 2009, j'ai pu bénéficier d'un financement et d'un projet professionnel où je suis rentrée à l'école de puéricultrice. Et puis en 2010, j'ai réintégré le CHU par l'UPR. C'est une unité où on tourne et on va dans divers services. Et à partir de là, depuis juillet 2011, je suis en onco-hématologie pédiatrique. J'ai travaillé à peu près 4 ans en conventionnel, 4 ans dans l'hôpital de jour. Et depuis le 1er octobre 2019, je suis coordinatrice du dispositif DRACAJA. C'est le dispositif régional d'accompagnement des jeunes adolescents et jeunes adultes qui sont suivis pour un cancer. On n'est pas sur les soins, tout ce qui est traitement, on est vraiment sur l'accompagnement de la vie en fait. Comment ça se passe quand on est en traitement pour poursuivre ses études, pour continuer à faire du sport, comment on reprend une activité professionnelle après. C'est vraiment comment on vit en ayant cette maladie chronique qui est le cancer. C'est tellement diversifié, tellement varié que j'ai encore plein de choses à apprendre, et voilà, c'est chouette parce que même après 15 ans de carrière, on se dit qu'on peut encore changer de service et découvrir encore plein de choses.